En Terre Sainte, un nouveau royaume est fondé par les croisés. Ces fidèles serviteurs de l'Église. Une vie de prière, régie par des codes austères. La croix blanche, le noir et le rouge. Des nouveaux ordres de la croix, mais aussi de l'épée. Bien qu'on les appelle les hospitaliers, ce sont avant tout des guerriers, les guerriers de Dieu. Terreur de leurs ennemis, protecteurs des pauvres et des malades. Ils prenaient soin de ceux qui en avaient besoin. Ils étaient à leur côté au bon moment. Une période sombre attend les ordres militaires. Ils ont perdu alors qu'ils se battaient au nom de Dieu. Les avaient-ils abandonnés ? De nouveaux horizons s'ouvrent pour les soldats du Christ. Cela aurait pu être un désastre pour les hospitaliers. Pourtant, ils ont réussi à triompher. Du Moyen-Âge jusqu'à la mer Égée, et plus loin encore, l'influence de l'ordre des hospitaliers est omniprésente. L'ordre des hospitaliers est célèbre pendant tout le Moyen-Âge. Leur tunique longue et leur surcot, d'abord noir puis rouge, représentent leur piété sans faille. Ils consacrent leur vie à exécuter l'œuvre de Dieu, en prenant les armes si besoin. Les hospitaliers constituent un des ordres militaires les plus connus et les plus identifiables au monde. Leur action auprès des malades et des nécessiteux leur vaut le respect de certains de leurs contemporains, ainsi que de certains historiens. Cependant, ils finissent par être éclipsés, du moins dans l'imaginaire commun. Ce sont leurs rivaux, les Templiers, qui incarneront l'image de l'intrépide chevalier chrétien. On mentionne toujours les Templiers en premier. Les Hospitaliers, eux, ne renvoient pas une image aussi forte. Ils sont entrés dans l'histoire comme l'ordre qui s'occupait des malades, ce qui étrangement semblait moins palpitant que les Templiers qui chargeaient l'ennemi sur leur destrier pour mourir dans la gloire. En fait, les Hospitaliers ont réalisé les mêmes exploits. En réalité, au XIIe et XIIIe siècle, les Hospitaliers combattent aux côtés des Templiers en Terre Sainte. L'image des Hospitaliers était plus précise, même s'ils ont participé à la majorité des batailles. De plus, avec un nombre d'hommes similaires, ils pouvaient se montrer très agressifs. Mais comme ils incarnaient aussi la médecine, ils avaient une image assez insolite au sein de la chrétienté occidentale. Les Hospitaliers constituent un des ordres militaires ayant existé pendant longtemps, bien plus que les Templiers. L'ordre des Hospitaliers est bien plus ancien que l'ordre du Temple. Il existait à Jérusalem bien avant la première croisade. Les Templiers constituent le premier ordre militarisé, fondé dans les années 1120, après la prise de Jérusalem en 1099. Mais l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem existait déjà depuis plusieurs décennies. Cela dit, ce n'était pas un ordre de guerriers. Il existe déjà un hospice à Jérusalem, ouvert aux pèlerins chrétiens et dirigé par des chrétiens d'Occident. L'ordre des Hospitaliers est fondé dans les années 1060, ou peut-être au début des années 1070, par des marchands amalfitains qui cherchent à Jérusalem un lieu où séjourner et accueillir les pèlerins et les voyageurs démunis. On leur propose alors de s'installer près de l'église du Saint-Sépulcre, l'endroit le plus important aux yeux des pèlerins chrétiens, souvent éreintés après un long périple. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem obtient ses lettres de noblesse et ses membres prennent le nom d'hospitaliers. Pendant les décennies qui suivent, la taille et la réputation de l'hospice ne font que croître. L'Institut ouvre ses portes à des hommes et des femmes de toutes confessions, et pas seulement des chrétiens. Pendant les 50 premières années de leur existence, les hospitaliers se concentrent sur la médecine. Ils fournissent des soins médicaux, du soutien et des hébergements aux pèlerins qui visitent Jérusalem. C'est la première croisade qui transforme radicalement l'ordre des hospitaliers. Suite à la prise de Jérusalem, les États latins d'Orient vont avoir besoin de marchandises en provenance d'Occident. Les membres du premier ordre militaire, les Templiers, commencent donc à protéger les routes et les frontières de la Terre Sainte. Malheureusement, ils sont en manque d'effectifs.
Quelques hospitaliers, les membres de l'hospice qui sont aussi chevaliers, ou qui ont suivi un entraînement militaire à cause de leur origine familiale, se mettent en tête de protéger les pèlerins. C'est donc le début de ce que l'on pourrait appeler une militarisation. Templiers et hospitaliers patrouillent le long des frontières de la Terre Sainte chrétienne. Puis, à l'instar des Templiers, les hospitaliers deviennent un ordre militaire hautement respecté. La cavalerie est mise en avant, et le chevalier en armure sur son destrier devient l'élément primordial du champ de bataille. Les combats à grande échelle sont rares. Les chevaliers se postent uniquement aux frontières, souvent loin des villes principales. Les avant-postes sont cruciaux pour les deux groupes. Les ordres militaires commandent de nombreux châteaux forts en Terre Sainte, dont les bastions les plus importants. Les hospitaliers reçoivent ou font bâtir des dizaines de châteaux forts sur les frontières du royaume de Jérusalem, de la principauté d'Antioche ou ailleurs. Et ces châteaux jouent un rôle crucial, car les hospitaliers ont les moyens de les entretenir, d'y poster leurs troupes et de leur fournir tout le nécessaire. Les châteaux forts des hospitaliers sont des merveilles d'architecture. C'est une révolution en matière de construction. Les chevaliers y emmènent les pèlerins pour leur montrer les édifices époustouflants qu'ils bâtissent au nom du Seigneur dans le royaume de Jérusalem. Ainsi, les chevaliers reçoivent encore plus de dons de l'Occident grâce à ces splendides châteaux forts. La plupart des célèbres châteaux et forteresses de Terre Sainte, du Liban et de Syrie, que l'on peut encore admirer aujourd'hui, ont été bâtis par l'ordre des hospitaliers. Le médiéviste David Nicol connaît bien le Moyen-Orient. Il y a énormément voyagé au cours de ses recherches sur l'époque des croisades. Parmi les châteaux de la Terre Sainte encore existants, aucun n'est aussi spectaculaire que celui où il se rend aujourd'hui, au nord-est d'Israël. L'une des forteresses les plus célèbres, c'est Belvoir. Elle surplombe la vallée du Jourdain, au bord d'un escarpement rocheux, pile sur une frontière identifiable à l'œil nu en haut d'une falaise. Franchement, c'est une vue à couper le souffle. Belvoir offre une vue magnifique. De toutes les forteresses bâties par les croisés en Israël, c'est la mieux conservée. Son nom arabe signifie « étoile du vent ». La forteresse se tient sur un promontoire à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle surplombe la vallée du Jourdain et l'actuelle Jordanie de l'autre côté. En face, il y a le château de Saladin, Ajloun. On a donc deux châteaux qui ont été bâtis l'un en face de l'autre à dessein. La forteresse jouait un rôle défensif majeur et son emplacement était stratégique. C'était un symbole politique fort qui montrait la puissance et la richesse de l'ordre des hospitaliers. Même si la partie supérieure du château a été effacée par les siècles, les ruines ne sont pas moins imposantes. Elles sont la preuve du développement rapide de l'ordre des hospitaliers dans les décennies qui suivent leur militarisation. La forteresse de Belvoir avait une grande importance pour les hospitaliers. Les efforts fournis et les moyens employés en sont la preuve même. D'après les sources historiques, ils ont bâti cette forteresse en seulement 21 ans. Les hospitaliers commencent à construire la forteresse en 1168. La forteresse de Belvoir est édifiée à une époque où le royaume de Jérusalem subit de plus en plus d'assauts. Les chevaliers éprouvent le désir grandissant de fortifier la frontière là où cela n'était pas nécessaire avant, car dans l'ensemble, c'était eux les assaillants. Belvoir est donc primordial. En cette fin de XIIe siècle, le chef musulman Saladin désire récupérer Jérusalem et la Palestine occupées par les chrétiens. Les hospitaliers et les autres ordres militaires doivent retarder sa progression le plus longtemps possible. L'armée de Saladin envahit le royaume de Jérusalem par la vallée qui sépare Belvoir du lac de Tibériade. De par sa situation au sommet d'un éperon rocheux, la forteresse est un point hautement stratégique. En 1187, l'inévitable se produit. Les troupes de Saladin assiègent Belvoir. Mais leur assaut est mis à mal par la résistance de la forteresse. Pendant la première croisade, les Francs avaient réussi à franchir les vieilles murailles de Jérusalem en quelques jours seulement. Mais le bastion des hospitaliers est construit depuis peu. Et ses défenses bénéficient d'une technologie de pointe. Déjà située au sommet d'une falaise abrupte, la forteresse est cernée sur trois côtés par des douves de 20 mètres de largeur sur 12 mètres de profondeur.
À l'intérieur se trouve un château rectangulaire doté d'une tour à chaque angle et au centre, ainsi que d'une porte fortifiée. Au-delà du premier mur d'enceinte se trouve une deuxième muraille, dotée de ses propres tours défensives. Belvoir serait le tout premier château concentrique au monde. Ce type d'architecture se répandra à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, aussi bien en Terre Sainte qu'en Europe de l'Ouest. La singularité de la forteresse ne se résume pas à sa résistance. La pierre utilisée pour la bâtir aurait été choisie pour sa couleur. On trouve beaucoup d'écrits concernant l'utilisation du basalte, cette roche volcanique gris foncé, enfin plutôt noir. La majorité de la forteresse est constituée de basalte, du moins la partie inférieure. La pierre blanche, plus raffinée, constitue la partie supérieure. Le noir et le blanc sont les couleurs de l'ordre des Hospitaliers. Impossible de dire si c'était réellement une marque identitaire ou pas. Peut-être que c'était les deux seules roches à leur disposition. Quoi qu'il en soit, on obtient à la fin une imposante forteresse noire et blanche à l'aspect saisissant. Comme les troupes musulmanes ne parviennent pas à s'emparer de Belvoir, elles se contentent de l'assiéger. Belvoir résiste aux troupes de Saladin pendant des mois. Comme les musulmans ont du mal à assiéger la forteresse, les Hospitaliers se vantent énormément, et à raison. Finalement, Belvoir résiste miraculeusement pendant 18 mois. Mais en 1187, Saladin défait l'armée des croisés lors de la bataille de Hattin. Dès lors, dans tous les états latins d'Orient, rien ne pourra plus arrêter le raz-de-marée musulman. En réalité, la forteresse de Belvoir ne tombe qu'après la bataille de Hattin, entraînant ainsi la chute de Jérusalem et de tout le reste du royaume. Belvoir, située sur la frontière orientale, est laissée à l'abandon. La forteresse doit se rendre. Il est inutile de continuer jusqu'à la fin, ça ne ferait qu'augmenter le nombre de morts. En quelques mois seulement, la plupart des châteaux chrétiens tombent aux mains des musulmans. À leur retour, 2 ans plus tard, les chrétiens ont besoin d'un port. Mais comme la plupart des grandes villes, Saint-Jean d'Acre, au nord de la Terre Sainte, était tombé aux mains de Saladin. En 1189, pendant la troisième croisade, menée entre autres par Richard Cœur de Lion, les chrétiens reprennent la ville. Incapables de récupérer Jérusalem, les croisés font de Saint-Jean d'Acre leur nouvelle capitale. La ville a presque entièrement été reconstruite sous l'Empire ottoman au XVIe et XVIIe siècle. Mais certains vestiges datent de l'époque des croisades. Pendant 100 ans, Acre sera la passerelle entre les États latins d'Orient et l'Europe de l'Ouest. Troupes, provisions, pèlerins, tout en Terre Sainte passe par le port d'Acre. C'est aussi une base importante pour les ordres militaires. Chaque ordre possède ses quartiers généraux dans la ville. Relais militaire, son port fermé est idéal pour le commerce maritime. Tous les ordres possèdent des intérêts commerciaux et ont besoin du profit généré pour maintenir l'effort de guerre sainte. Dans les années 1990, une découverte a permis d'en apprendre davantage sur la vie des ordres militaires à Acre. Sous les rues de la vieille ville, des promoteurs immobiliers ont découvert un immense réseau de tunnels, dont on ignore encore l'usage. Il a fallu énormément de temps pour les explorer et les déblayer. La maçonnerie date de l'époque des croisades. Il a fallu attendre la réalisation d'un plan des tunnels pour en connaître les créateurs. Nous sommes ici dans les célèbres tunnels des Templiers qui traversent une bonne partie de la vieille ville. Ils s'étendent depuis le port jusqu'à la guilde des Templiers de l'autre côté, qui est leur quartier général en quelque sorte. Parmi tous les ordres militaires, les Templiers sont les seuls à alimenter autant de mythes et de rumeurs. On raconte que les tunnels servaient d'obscurs desseins ou accueillaient des rituels occultes. Les théories des historiens ont beau ne pas être aussi sensationnelles, elles n'en restent pas moins fascinantes.
Selon moi, les tunnels servaient plutôt à transférer aisément des marchandises depuis le port jusqu'à la guilde des Templiers, comme de la main-d'œuvre, des animaux et plein d'autres choses. C'était une route privée. Grâce à cela, on sait que les Templiers étaient extrêmement riches et puissants. Les tunnels s'étendent sur plus de 300 mètres. Ils seraient assez larges pour accueillir de grands chariots, des hommes en armes ou même une cavalerie. Dans les derniers jours chaotiques du règne des croisés, ces tunnels ont peut-être servi de refuge ou de sortie de secours. Je pense que ces tunnels ont servi lors du dernier siège de Saint-Jean d'Acre en 1291. Quelques personnes ont alors fui jusqu'au port en passant par ici. Car bien entendu, quand les Mamelouks ont attaqué la ville, ça a dû être un véritable chaos. Tout le monde devait essayer de fuir vers le port pour embarquer sur un navire. Ceux qui avaient accès à ces tunnels étaient extrêmement chanceux. Ils ont pu rejoindre le port où des bateaux appartenant aux Templiers devaient les attendre. On peut donc dire que ces tunnels étaient une marque de prestige. Quand les Mamelouks assiègent Acre, les Hospitaliers, les Templiers et d'autres ordres militaires participent activement à la défense de la ville. Mais chaque place forte cède tour à tour. Saint-Jean d'Acre est presque entièrement détruite. Le château des Templiers tombe le dernier. Il est entièrement démoli. Même si la plupart de ces édifices ont disparu, l'un d'entre eux a survécu. Ce château, situé près du port, a été enseveli par des tonnes de gravats, comme les tunnels des Templiers. Il a été englouti par la mer et envahi par le limon. Dans les années 1990, des archéologues israéliens lancent des excavations pour explorer les souterrains. Ils sont stupéfaits par la découverte qu'ils font. Il s'agit ni plus ni moins du château des Hospitaliers, quasiment intact. Qui aurait cru que cet édifice médiéval existerait encore? La quasi-totalité du bâtiment a été ensevelie. Après l'époque des croisades, un nouvel édifice a été construit par-dessus. Les archéologues ont dû déplacer les décombres morceau par morceau. C'est un travail que l'archéologue britannique Tim Sutherland reconnaît à sa juste valeur. Il n'y a pas longtemps, quand ce château a été reconstruit et consolidé, on a déblayé tous les gravats qui s'étaient accumulés dans les pièces pendant des siècles. Il y avait aussi des blocs de pierre, de la poussière et de la boue. On a nettoyé chaque pièce jusqu'à obtenir ce résultat. Certaines parties sont dans leur état d'origine et n'ont jamais été nettoyées. Ainsi, plusieurs parties de ce monument contiennent des artefacts de valeur archéologique. C'est de l'archéologie pure et dure qu'on voit ici. On peut voir toutes les couches de terre qu'on a déposées dans cette sorte de puits. Vous pouvez voir ici une épaisse couche marron contenant des rochers, mais aussi des couches plus fines tournées dans la direction opposée. En fait, les gens apportaient des gravats dans des brouettes et les jetaient ici. Au fil des siècles, les couches se sont accumulées pour former cette structure archéologique que l'on a sous nos yeux. Ce travail minutieux nous permet de découvrir le bastion des Hospitaliers tel qu'il devait être à l'apogée des croisades. Pendant un siècle, ce fut la base centrale de l'ordre des Hospitaliers en Terre Sainte. L'imposant édifice exprime le pouvoir et la richesse. Non seulement de l'État latin, mais aussi de l'ordre militaire indépendant qui l'a bâti. Nous arrivons maintenant dans les quartiers des Hospitaliers. Il s'agit de l'endroit où ils vivaient, au cœur de l'effervescente ville médiévale. Certains endroits appartenaient aux Italiens ou aux Templiers. Chaque communauté avait son propre quartier. Saint-Jean d'Acre, la médiévale, devait être une ville cosmopolite, au carrefour entre l'Est et l'Ouest. Les Hospitaliers ne sont pas les seuls à vivre ici. Il faut imaginer des immenses marchés. Les gens vendent et achètent. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des soldats, des marchands, des animaux, du bétail. C'est un lieu rempli de bruit, de vie et d'odeur. On trouve aussi bien des épices exotiques que de la soie et d'autres biens en provenance d'Orient. Le bâtiment fait environ 4500 mètres carrés. Une cour centrale ouverte est enfouie sous 3 ou 4 mètres de gravats. Auparavant,
il y avait de nombreuses pièces et des grandes salles. Ce lieu magnifique, ce hall, serait le réfectoire. C'est là où les hospitaliers auraient partagé leur repas communautaire. Bien entendu, ce repas est un élément essentiel de leur credo. En effet, ils forment une équipe, car ils possèdent un grand sentiment de fraternité et d'identité communautaire. Le réfectoire et les repas y sont pour beaucoup. On imagine que cet endroit n'était jamais totalement silencieux. Il devait y avoir du passage constamment, comme aujourd'hui. La solidarité est l'un des principes fondamentaux des hospitaliers, qui participent à des collectes de fonds en Europe de l'Ouest. Leur nouvel hospice à Saint-Jean-d'Acre rappelle celui de Jérusalem. Ici encore, ils n'accueillent pas que des chrétiens, mais les malades de toute religion. Ici, il y avait l'hospice, qui était un grand bâtiment à l'époque. On devait entendre les brouhahas de la ville dehors, peut-être les chants et les prières de la chapelle, les cloches et tout le reste. C'était loin d'être un endroit silencieux. C'était un lieu militaire baigné de religion. Les hospitaliers ne rigolaient pas. Dans le monde médiéval, surtout au Moyen-Orient, c'est la maladie que l'on redoute le plus. Comme la plupart des gens sont entassés dans les villes, y compris les malades, les hospitaliers comprennent l'importance de l'hygiène. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on voit un château fort. Mais ici, à Acre, les latrines n'ont rien à envier au reste de l'hospice. C'est vraiment une construction incroyable. En plus d'être une grande salle voûtée, il s'agit d'un bâtiment à latrines multiples. Environ 40 personnes pouvaient s'asseoir ici en même temps. Et il y avait des centaines de malades dans l'hospice. Donc il devait y avoir une sacrée file d'attente. Même si la microbiologie n'existait pas encore, on savait déjà que les déjections humaines pouvaient causer des soucis de santé. Dans cette optique, la structure de ces latrines relève du génie. En matière de technique, cette structure est très intéressante, car le sol de la pièce est incliné. À l'époque, des sortes de gouttières situées sous les sièges descendaient jusqu'à la pièce du dessous. Tout le monde s'asseyait ici, et les déjections humaines tombaient dans un immense réservoir au-dessous. Toutes les sécrétions passaient par le trou et finissaient dans la citerne. Et puis, il n'y avait pas que les excréments qui tombaient dedans, mais tout ce que les gens faisaient tomber. Comme aujourd'hui, on lâcherait son téléphone dans les toilettes malencontreusement. Quand on faisait tomber un objet, on n'allait pas le récupérer, parce que c'était une salle gigantesque remplie de matière fécale. Il n'y avait plus rien à faire. Enfin, des personnes préposées venaient nettoyer le réservoir et utilisaient les excréments comme un engrais pour les champs, par exemple. Outre les objets personnels perdus à jamais, les archéologues ont vu tout le potentiel de cette construction. La matière fécale dans les latrines était restée là pendant des siècles. Sonder des couches d'excréments n'est pas une idée qui enchanterait tout le monde. Pourtant, les résultats ont fourni un aperçu incroyable de la vie des patients de l'époque. Pierce Mitchell est médecin praticien et expert en paléopathologie. Il étudie les matériaux découverts par les archéologues, comme les artefacts et les ossements, et recherche également les éventuelles traces de micro-organismes et de bactéries qu'ils peuvent contenir. Quand le docteur Mitchell a entendu parler des fouilles menées à Acre, il a proposé ses services. En effet, les latrines médiévales si bien conservées, ainsi que les déjections, constituent une découverte unique. Nous avons étudié les excréments qui s'étaient accumulés dans la citerne sous les latrines. Nous avons commencé par chercher des traces de maladies infectieuses. Le docteur Mitchell et son équipe ont cherché des traces de vers parasites intestinaux. Ces organismes logeaient dans certains aliments que les croisés consommaient et digéraient avant d'atterrir dans les latrines. C'est grâce à la longue durée de vie de leurs œufs que les parasites parviennent si bien à se propager.
La solide paroi qui enveloppe les œufs permet aux parasites de survivre pendant des centaines, voire des milliers d'années. Une fois dans la terre, ils meurent au bout d'un ou deux ans. Mais on peut les observer au microscope et identifier les espèces de vers qui logeaient dans les usagers des latrines. En effet, la plupart des espèces pondent des œufs de forme et de taille variables. La découverte du docteur Mitchell a fourni un aperçu bouleversant de la vie quotidienne des contemporains des croisés. Nous avons observé des œufs de nématodes et de trichocéphales. Ce sont des vers parasites qui vivent dans les intestins, se propagent via les selles et contaminent l'eau et les aliments. En général, quand on ne se lave pas les mains et qu'on ne cuit pas assez la viande, on peut être infecté par un de ces deux vers. Nous avons également découvert des œufs de ténia du poisson, un parasite plus répandu en Europe du Nord. Ce sont donc des Scandinaves qui l'ont amené en Terre Sainte avant d'utiliser les latrines d'Acre. Le poisson constitue un aliment de base pour de nombreux habitants du littoral de la Terre Sainte. On attrape le ténia du poisson en mangeant du poisson cru ou pas assez cuit. Dans l'Europe du Nord médiévale, il était d'usage de consommer du poisson cru, fumé, mariné ou salé, sans forcément le cuire. Résultat, on se retrouve avec un ténia d'environ 7 mètres de long qui s'enroule à l'intérieur des intestins avant de pondre des œufs dans les excréments. Si la personne faisait ses besoins près d'un lac rempli de poissons, le cycle de la vie reprenait son cours. Quelqu'un qui mangeait un poisson pêché dans ce lac allait être contaminé à son tour. De tels parasites, ainsi que la dysenterie, font partie intégrante de la vie quotidienne des habitants d'Acre, chevaliers ou autres. Tous les ordres militaires doivent être capables de soigner leurs blessés. Malgré leur nom, les hospitaliers ne sont pas meilleurs en médecine que les templiers ou les chevaliers teutoniques. Comme l'ordre du Temple, celui des hospitaliers dirige des maisons et des couvents en Europe de l'Ouest, même si sa présence est perçue comme étant plus bienveillante que celle de son rival. Au XIIIe siècle, les hospitaliers étaient omniprésents en Europe de l'Ouest. Matthieu Paris, le moine de Saint-Alban, qui a beaucoup écrit sur cette époque, affirme que les hospitaliers avaient plus de savoir-vivre que les templiers. Quel intérêt les templiers servent-ils réellement? Le leur, de toute évidence. Au début du XIVe siècle, et après leur dissolution, les templiers se voient confisquer leurs châteaux et leurs terres. Le pape décrète que leurs biens en Europe et ailleurs doivent être donnés à l'ordre des hospitaliers. Cependant, cette réforme met du temps à s'appliquer dans certains pays, dont l'Angleterre. La cession des Templiers aux hospitaliers ne se passe pas bien. Le roi d'Angleterre a l'intention de conserver ses terres. Le roi Édouard II résiste aussi longtemps que possible, mais finit par se plier à l'autorité du pape. Lorsque le roi apprend qu'il doit donner ses biens aux hospitaliers, il ordonne à ses gardes-chasse et à ses shérifs d'évacuer toutes les terres appartenant aux templiers. Cela comprend tout le bétail, les moutons, les réserves, les céréales et toutes les autres cultures. Ils évacuent tous les biens consommables. Les hospitaliers ne sont pas très bien accueillis. Certains bâtiments sont vidés et parfois détruits. Parmi les propriétés des Templiers, les hospitaliers obtiennent celle de Cressing, dans le sud de l'Angleterre. À partir des années 1380, c'est ici que l'ordre des hospitaliers organise ses rassemblements. Dans les granges de la propriété, les hospitaliers stockent leurs récoltes dont ils reçoivent directement le profit, sans rien reverser au roi. Dans l'Angleterre actuelle, il reste très peu d'édifices ayant appartenu aux hospitaliers, du moins tels qu'on les décrit au Moyen-Âge. Néanmoins, il en reste un au cœur de l'Angleterre, dans le hameau de Barrow-upon-Trent. On l'appelait autrefois Sainte-Hélène ou Saint-Luc, mais à partir du milieu du XIIe siècle, cette église fut dédiée à Saint-Wilfrid.
L'église se tient sur un promontoire dans la vallée de la Trent. À l'époque de sa construction, c'était le monument le plus important de la région. On apercevait cette église à des kilomètres à la ronde. Imaginez que nous sommes au Moyen Âge et que nous nous tenons sur le parvis de l'église. Il y a là une gargouille, très abîmée et érodée par le temps. Je me dis qu'elle a dû être témoin de tellement de choses depuis son installation au début du Moyen Âge. J'aimerais tellement écouter son histoire. Sur n'importe quel site historique, les archéologues doivent tenter de comprendre la stratigraphie, c'est-à-dire les différents indices d'activité humaine empilés, sous terre ou en surface. Tout le monde pense que le travail d'un archéologue se passe uniquement sous terre. Et pourtant, quand on a affaire à un monument historique comme celui-ci, on étudie également ce qui se passe en surface. La stratigraphie est très similaire, bien sûr. Les parties les plus récentes se trouvent au sommet, mais un bâtiment contient tellement d'éléments variés, que ce soit les murs, la charpente, le toit ou même le sol. Cette église aurait été construite pendant la période anglo-saxonne. Ensuite, elle fut offerte aux hospitaliers. Depuis, elle est devenue la petite église de campagne que l'on connaît aujourd'hui. C'est Saint Wilfrid en personne qui détient la clé du passé médiéval de l'église. Kim est venu sur place pour en avoir le cœur net. Quand on entre dans un monument historique, on entend la porte grincer et soudain, tout surgit devant nos yeux. On ne sait pas à quoi s'attendre car chaque église est différente. À cette époque, cette église était sans doute le cœur du village médiéval. Au départ, c'était le bâtiment principal du village. L'église était une place forte, là où les villageois organisaient des marchés. Elle servait aussi de sanctuaire quand les ennemis attaquaient. Il semblerait qu'un héritage de cette période mouvementée ait survécu. Aussitôt que j'ai passé le porche de cette église, j'ai remarqué plusieurs petites rainures dans la pierre. Ces rainures ressemblent à des entailles que l'on trouve dans d'autres églises en Grande-Bretagne. Personne ne connaît vraiment leur signification, mais il existe une théorie à ce sujet. Si on prend en compte le fait que les hospitaliers constituaient un ordre militaire, on peut supposer qu'il y avait des soldats dans la région. On dirait que quelqu'un a aiguisé des lames d'armes blanches. On peut se demander si c'était dans le but de bénir les armes des soldats avant une bataille, par exemple. Ou alors est-ce qu'ils étaient en route pour la guerre? Amenaient-ils leur couteau ou leur épée ici à l'église pour l'aiguiser avant de partir au combat? Cela leur apportait peut-être un soutien psychologique. À la période victorienne, une chaire et des bancs sont installés dans l'église. Mais certaines gravures et sculptures demeurent dans le même état qu'à l'époque des hospitaliers. L'église est remplie de petits trésors que nous avons découverts au fil des années. Le plus important d'entre eux est sans doute l'effigie d'un prêtre en albâtre datant des années 1300 ou 1340. Il s'agirait d'un certain John de Belton, venu de Craik, dans le comté de Durham, pour aider les hospitaliers à développer l'église. On trouve également de nombreuses pierres qui portent la croix de l'ordre des hospitaliers. Anne Iscott et les paroissiens souhaitent rendre au mur intérieur de l'église leur aspect médiéval. Ils comptent retirer les éléments victoriens pour que l'église redevienne le forum et le cœur du village, comme à l'époque des hospitaliers. Nous voulons faire de l'église un foyer rural pour accueillir tous les villageois, les habitants de la région et d'ailleurs. Mais un élément étrange demeure. Il s'agit d'un dessin fait à la main, représentant un chevalier armé du bouclier de l'ordre des hospitaliers. Certains pensent qu'il s'agit d'un graffiti datant de l'ère victorienne. Le dessin, situé non loin de l'effigie, représente un chevalier en armure. On m'a dit que c'était un dessin original, mais ça n'en reste pas moins intriguant. Voici l'une des perles rares de l'église. J'aime à penser que c'est un dessin original. On dirait un chevalier du XIVe siècle. Tout correspond.
le home, la lance, l'armure, et en plus, il porte la croix de l'ordre des hospitaliers sur son bouclier. C'est une des nombreuses énigmes propres à cette église. J'adore me poser toutes ces questions, je trouve ça fascinant. Quelqu'un s'est amusé à recopier le dessin, qui est évidemment fait au crayon. Il n'arrive pas à la cheville des œuvres anciennes, même si c'est relativement moderne. Voilà l'aspect intéressant de ce dessin. Est-ce l'original? S'agit-il d'un chevalier contemporain de cette partie et de cette phase de l'église? Et si oui, qui est-il? Et que représente-t-il? Parmi toutes les maladies que rencontrent les hospitaliers, l'une d'entre elles est plus terrible que toutes. La lèpre est une maladie très redoutée et elle est incurable. C'est pourquoi elle inspire de la terreur à tout le monde. La lèpre fait partie des pires problèmes de santé en Terre Sainte et en Europe pendant la période des croisades. Pourtant, à cette période riche en maladies, la lèpre n'est pas la plus mortelle. Il existait plein d'autres maladies potentiellement mortelles. Par exemple, c'était bien pire d'attraper la tuberculose que la lèpre. Et pourtant, ce sont des organismes bactériens très similaires. Normalement, la lèpre n'est pas mortelle, contrairement à la tuberculose. La lèpre inspire de la terreur, car elle s'attaque à ce qui nous rend humains. Du moins, en apparence. Dans de nombreux cas, la lèpre s'attaque au visage et peut rendre aveugle. La lèpre peut provoquer des ulcères et un engourdissement des pieds et des mains, ce qui entraîne une difficulté à se déplacer. En résumé, la lèpre est une maladie chronique qui amoindrit les relations sociales. Les conséquences de la lèpre sur la vie sociale existent encore de nos jours. On l'appelle aujourd'hui la maladie de Hansen, et elle se soigne grâce à des antibiotiques. Mais au Moyen Âge, les connaissances sur cette maladie sont insuffisantes. À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, on connaît la maladie de Hansen, même si on ne la nomme pas ainsi. Avant cette période, il était très dur de différencier une personne atteinte de la lèpre de quelqu'un qui aurait attrapé un psoriasis ou un cancer de la peau, par exemple. Dans une société antérieure à la microbiologie, on cherche d'autres explications pour l'origine des maladies. Dans l'Europe médiévale, les opinions sur la lèpre varient selon les époques et les pays. La religion explique que le châtiment de la défiguration serait un don de Dieu. Ce serait une manière d'expier ses péchés de son vivant pour ensuite monter directement au ciel sans avoir à se racheter après la mort. Concept du purgatoire qui se développe au Moyen Âge. Dans la Bible, le pauvre Lazare, un homme qui a souffert toute sa vie, est récompensé au paradis. Son persécuteur, un homme riche, est envoyé au purgatoire. Au Moyen Âge, le parallèle entre Lazare et Jésus-Christ paraît évident aux yeux de l'Église. La société médiévale accorde une grande importance aux soins des lépreux, car ces derniers sont comme Jésus-Christ. Les lépreux font partie du corps du Christ. Et si on ignore ces individus, comme l'homme riche ignore Lazare, on est condamné à passer un long moment au purgatoire, voire en enfer. Par conséquent, la protection des lépreux possède une dimension spirituelle, un concept qui guide les ordres religieux et militaires au moment de fonder leurs hospices. Depuis le XIe siècle, il existe une léproserie à l'extérieur de Jérusalem. Au XIIe siècle, l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, dédié à la protection des lépreux, voit le jour. Nombre de leurs frères étaient également atteints de la maladie. Comme les hospitaliers et les templiers, les chevaliers de Saint-Lazare se retrouvent sur les champs de bataille en Terre Sainte. Étant donné la nature de leurs conditions, ce sont des hommes intrépides. Ils se font décimer dans plusieurs batailles, car pour eux, mener une guerre sainte est la meilleure chose qui soit. Ils ne se préoccupent plus de leur vie et combattent jusqu'à la mort.
Au bout d'un certain temps, il n'y a plus beaucoup de lépreux au sein de l'ordre de Saint-Lazare. Par conséquent, certains Européens, qui ne sont pas lépreux, intègrent l'ordre en signe de profonde piété. Pour eux, rejoindre les Lazarites est un acte intense d'un point de vue spirituel. La fin du XIIIe siècle est une période fatidique pour tous les ordres militaires. En 1291, les Mamelouks s'emparent d'Acre. Et la Terre Sainte retombe aux mains des musulmans. Ni les croisés d'Occident, ni les ordres militaires ne tenteront plus de s'emparer de Jérusalem. 1291 est une année désastreuse pour les ordres militaires. Ils restent traumatisés d'avoir perdu alors qu'ils se battent au nom de Dieu. Les avaient-ils abandonnés? Et pourquoi l'Occident ne leur était-il pas venu en aide? Les hospitaliers et les autres ordres militaires sont obligés de s'adapter au nouveau statu quo. Ils se demandent donc dans quelle nouvelle terre ils vont mener leur guerre sainte. Certains d'entre eux, comme les chevaliers teutoniques, empruntent une route totalement opposée. Ils se rendent vers le nord pour combattre les païens de Prusse et de Lituanie. Les hospitaliers, quant à eux, ont plus que jamais besoin d'indépendance et de sécurité. Or, leur royaume d'accueil pourrait bien se retourner contre eux. Ils ne veulent pas finir comme les Templiers, qui ont été détruits par la monarchie française plusieurs décennies plus tôt. En 1310, ils jettent leur dévolu sur une grande île de la mer Égée, Rhodes. Pour ce faire, ils affrontent d'autres chrétiens de l'Église catholique orientale. Mais ils justifient leur acte comme une nécessité de la lutte contre l'islam. Les hospitaliers occuperont Rhodes pendant plus de 200 ans. En 1480, ils repoussent une armée ottomane forte de 160 navires et de 70 000 hommes. Non seulement ils arrivent à battre leurs adversaires, mais ils parviennent aussi à faire de leur victoire un puissant outil de propagande au sein de la chrétienté. Les hospitaliers transmettent leur propre récit du siège de Rhodes grâce à une invention révolutionnaire, l'imprimerie. Cette victoire leur permet de justifier leur rôle indispensable et bien sûr de continuer à percevoir des dons. L'Europe de l'Ouest doit sûrement se délecter de ce récit. Les intrépides chevaliers de Dieu qui affrontent des forces incommensurables et sauvent la ville. C'est le summum du chevaleresque. Pendant longtemps encore, le fantôme de la perte de la Terre Sainte restera omniprésent. Cela montre la force de combat de Dieu. En 1291, ils semblent les avoir abandonnés. Désormais, ils affirment que Dieu se bat de nouveau à leur côté et ils pensent faire le bien. Cette fois, ils croient qu'ils en sortiront vainqueurs. Les hospitaliers savourent leur victoire pendant quelques décennies. Mais lorsque les armées ottomanes reviennent à Rhodes en 1522, Dieu abandonne l'ordre de Saint-Jean, qui est chassé de l'île. Certaines organisations actuelles ont repris le flambeau de ces ordres militaires anciens. Certains ordres hospitaliers, créés pendant les croisades, comme l'ordre de Saint-Jean ou l'ordre de Saint-Lazare, ont conservé leurs fonctions médicales. Par exemple, l'ordre de Saint-Jean a dirigé une clinique ophtalmologique à Jérusalem pendant plusieurs années. L'ordre de Saint-Lazare, bien qu'il ait évolué et changé au fil du temps, continue de soigner les lépreux aujourd'hui. On constate que, depuis plus de 8 siècles, certains de ces ordres poursuivent leur fonction médicale originelle. De nos jours, les descendants des hospitaliers perpétuent leur mission indispensable à la santé publique, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. Ambulance Saint-Jean est une institution qui descend des hospitaliers du Moyen-Âge. En réalité, alors qu'Ambulance Saint-Jean se développait, ses membres ont délibérément mis en avant l'héraldique et l'imagerie qui évoquent ses origines médiévales. Cet organisme possède un héritage grandiose. Les hospitaliers protégeaient les pauvres et les malades. Ils prenaient soin de ceux qui en avaient besoin. Ils étaient et sont toujours à leur côté au bon moment. Ils représentent l'ordre militaire médiéval traditionnel.